Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des jeux gratuits. Donc on commence avec Zombie Age 3 Premium Rules of Survival. Donc c'est jeu Android. Donc c'est un jeu jouable en coop, vous devez survivre à des zombies. Il y a plus de 30 armes mortelles à disposition, plus de 20 personnages et des capacités uniques à faire évoluer, plus de 10 sortes de zombies et de boss épouvantables, et plus de 10 modes de jeu avec des batailles et des boss incroyablement résistants. On continue avec Hack and Run, donc qui n'a jamais eu envie d'être un hacker? Donc on rentre dans la peau d'un hacker, on rentre par effraction au cœur d'une organisation mystérieuse et on découvre ses secrets. Ce jeu utilise les commandes à l'ancienne comme DOS et Unix qui simulent un véritable système d'exploitation. Apprenez les commandes de chaque système pour vous aider à naviguer à travers votre aventure. Au fur et à mesure que vous pénétrez dans leur système, vous en apprendrez plus sur l'organisation et plus sur les gens qui y travaillent. On continue avec un jeu PC sur Epic Games, Jotun Valhalla. Jotun, je sais pas comment on dit. Donc c'est un jeu d'action et d'exploration destiné à la main dont le décor est planté dans la mythologie nordique. Vous incarnez Thora, une guerrière viking qui, privée de mort glorieuse, doit montrer au dieu qu'elle est digne d'entrer au Valhalla. Donc ça fait un peu penser au dessin animé Hercule, donc mythologie grecque, tout ce qui est nordique. Je précise que sur l'Epic Store, vous pouvez me soutenir avec le code NICOENDA. Donc c'est un énorme soutien pour moi et merci à ceux qui le feront. Si l'univers de la mythologie grecque, viking, etc. vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo. Donc c'est un gameplay sur l'univers viking. C'est une très très belle histoire, donc je vous invite à regarder. On continue sur PC, plus précisément sur Apex Legends. Donc plus précisément c'est le skin BD1, donc comme vous voyez, c'est celui-ci. Donc voilà, donc vous avez juste à entrer dans le jeu. Donc la source officielle c'est le tweet, je mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous pouvez en profiter jusqu'au 14 janvier, donc ça a commencé le 3 décembre. Donc ensuite on continue avec Forza Horizon 4 pour PC et Xbox One. Chaque jour vous avez une voiture gratuite jusqu'au 31 décembre, donc profitez-en, c'est un très très bon plan. Donc toujours sur PC, plus précisément sur Steam, vous avez Zombie Driver HD qui est gratuit. Donc vous avez jusqu'aujourd'hui, le 5 décembre à 19h pour le récupérer, donc dépêchez-vous. Et une fois que vous le réactivez sur votre compte, vous l'aurez à vie. Ensuite, toujours sur Steam, on a le jeu Touring Kart, donc c'est un jeu VR qui est gratuit. Donc il est offert après 3 victoires sur la démo. Donc vous aurez juste à tester la démo en fait, et dès que vous avez 3 victoires, vous aurez le jeu. Franchement, c'est très intéressant. Si vous avez la VR, je vous conseille d'y aller, foncez vite. Ensuite, toujours sur Steam et pour PC, on a Jeux Imperator Rome et Portal Knight qui sont jouables gratuitement sur PC. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Et si ça vous intéresse aussi, les jeux sont en promo, donc profitez-en. Et on termine avec l'offre la plus intéressante de la journée. Donc The Crew 2, jouable gratuitement jusqu'au 9 décembre pour PC, PS4 et Xbox One. Donc c'est sur l'Ubisoft Store. Ça a commencé apparemment aujourd'hui le 5 décembre. Donc pendant une semaine, le jeu sera à nouveau jouable gratuitement sur PC. L'offre commence dès aujourd'hui, elle n'est pas encore disponible à l'heure actuelle. Cela devrait arriver vers 19h je pense. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour liker, partager au maximum, commenter. Je suis un des seuls youtubeurs qui vous propose des jeux gratuits, n'oubliez pas ça. Donc je compte vraiment sur votre soutien. Donc je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouvel épisode.